Pourquoi tu travailles là-dessus? Franchement, c'est un détail, on s'en fiche. Non, perds pas de temps, c'est un petit détail, personne ne les remarque. Les détails, merci, ne servent à rien. Ces phrases, nous les avons tous déjà entendues. Nous les avons tous déjà entendues, que ce soit dans des projets pro, dans des projets perso. Parce qu'effectivement, pour de nombreuses personnes, les détails n'ont pas d'importance. Pour de nombreuses personnes, les détails n'ont pas d'importance. Mais laissez-moi vous parler de quelqu'un. Quelqu'un que vous aurez peut-être reconnu. Il s'agit de Walter Elias Disney, alias Walt Disney, l'homme qui est derrière ce qui est aujourd'hui le plus gros empire de l'entertainment au monde. Cet homme était un visionnaire. Cet homme était un visionnaire dès ses débuts, dès ses premiers dessins animés tels que Steamboat Willie. C'est quelqu'un qui a toujours eu un très grand souci du détail, très grand souci de la perfection et de l'innovation, avec le succès qu'on connaît. Et en 1950, alors que Walt Disney Company est en train d'exploser, cet homme fait un rêve. Il veut créer un parc d'attractions pour les petits et les grands. Et la manière dont il l'explique à ses équipes, c'est celle-ci. Je ne veux pas que le public, quand ils sont dans le parc, voit le monde dans lequel ils vivent. Je veux qu'ils ressentent qu'ils sont dans un autre monde. Je veux qu'ils ressentent. Je ne veux pas qu'ils aient l'impression, je ne veux pas qu'ils pensent, je veux qu'ils ressentent. Ce qu'on ressent, c'est la réalité. Ce qu'on ressent, c'est la vérité. Et ça montre bien l'importance qu'avait pour Walt Disney le fait que l'illusion soit parfaite. On n'est pas en train de faire un parc parmi d'autres, on n'est pas en train de faire un énième parc d'attractions. Il voulait faire le parc dans lequel on ressente qu'on était dans un autre monde. En 1955, le parc ouvre et c'est un succès immédiat. C'est un succès immédiat, toute la critique reconnaît qu'effectivement, on se sent dans un autre monde. Dans un autre monde que les anglo-saxons appellent « The Magic Kingdom ». Et quelques années plus tard, lorsqu'une journaliste demande à Walt Disney « Mais comment est-ce que vous avez fait pour créer ce Magic Kingdom ? Quel est le secret derrière ce Magic Kingdom ?» Sa réponse est celle-ci. « There is no magic in magic, it's all in the detail. » Il n'y a pas de magie, tout est dans les détails. Tout est dans les détails à un point vraiment impressionnant dans le cas des parcs Walt Disney. Par exemple, voilà, ces deux photos, quel est à votre avis le lien entre eux? Ces petits paniers qu'on voit ici, qu'on voit plus ou moins bien en fonction de la résolution de l'écran, et cette ouverture. En fait, tous les deux ne sont que des caches pour mettre des haut-parleurs. C'est-à-dire que cette musique qui ne nous quitte pas quand on est dans le parc, qui est assez sympa, qui est un peu entêtante et qui participe clairement à l'immersion, cette musique ne provient pas de haut-parleurs. On aurait pu placer des haut-parleurs ça et là, en les cachant un petit peu, et ça aurait marché. Mais au bout d'un moment, en me baladant, j'aurais vu un haut-parleur et j'aurais été rappelé à la réalité. Alors que là, dans ce souci du détail, tous les haut-parleurs sont cachés dans des éléments du décor. Et vous êtes baigné dans une musique dont vous ignorez l'origine. Voilà le souci du détail, voilà jusqu'où mène le souci du détail, voilà ce qu'il en coûte si vous voulez créer un parc qui devienne le parc d'attractions au monde, la référence. Il n'y a pas de magie, tout est dans les détails. Alors, bien entendu, il y a de nombreux détails qui jouent sur la réussite d'une app, la réussite d'un projet. Ça peut être notamment les équipes qui travaillent dessus. La sélection de l'équipe, c'est quelque chose d'important. On va le voir dans quelques jours, samedi notamment, avec le match de la France. Mais il y a également les compétences des gens qui travaillent dessus. Il y a beaucoup de détails. Ceux que je vous propose de voir, ce sont les micro-interactions. Les micro-interactions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites animations, des petits signaux sonores qu'on peut avoir dans une app ou dans un site web, et qui sont vraiment à la croisée de l'UI, parce qu'ils participent à l'immersion dans un univers, et l'UX, puisqu'ils peuvent, s'ils sont correctement travaillés, améliorer grandement l'expérience utilisateur. Alors je me présente donc Thomas Buvignier, je suis Product Owner UX au sein de BeWithYou. Product Owner UX est passionné de motion design, de graphisme, et c'est ce qui explique justement le choix de ce sujet, vraiment à la croisée de l'UI et l'UX, puisque les micro-interactions, c'est cela, c'est un moyen de travailler les deux en même temps, sans faire passer l'un ou l'autre avant, mais vraiment travailler les deux en symbiose.
Petite précision, Be With You est vraiment spécialisé sur le mobile, donc souvent vous m'entendrez parler d'app, d'écran de téléphone, etc. Tout ce que je vais dire est aussi valable pour des sites web. Mais avant toute chose, la première question à se poser pour comprendre les micro-interactions, voilà, petite micro-interaction, un ballon qui tombe au milieu de l'assemblée, tout de suite ça met un peu de vie. La première chose à comprendre, c'est le concept de micro-use case. Lorsqu'on travaille sur un projet, on nous demande, et on nous le demande depuis nos études, de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur, essayez de voir qui est-ce qui est impacté, essayez de comprendre la stratégie qu'il y a derrière, essayez de comprendre les clients, les fournisseurs, etc. Et c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Mais ce que l'on ne nous demande pas assez, c'est de rentrer dans le détail. C'est de rentrer dans le détail du micro-use case, de rentrer dans le détail de la moindre petite seconde que l'utilisateur va passer sur notre app. Parce que la moindre seconde que l'utilisateur passe sur notre app, c'est une seconde de sa vie qu'il nous donne. C'est une seconde de sa vie qu'il nous consacre pour qu'on lui apporte quelque chose. C'est une seconde de sa vie qu'il nous consacre pour qu'on ait l'occasion de lui faire passer un message. Et même quand il s'agit juste d'un écran qu'il va voir 2 secondes. Oui, 2 secondes. Mais si vous avez 1 million de téléchargements, ça fait beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps pour qu'on puisse l'ignorer, beaucoup trop de temps pour qu'on puisse se dire « cet écran, c'est du détail, ça n'a pas d'importance. » Ah, d'un micro-use case. C'est vraiment ça que nous apprend cet exemple. C'est-à-dire que les ingénieurs Rolls-Royce ont pensé effectivement au macro-use case. On pensait vraiment au cas d'usage. On pensait général. Oui, la voiture doit amener quelqu'un d'un point A à un point B, dans le cas de Rolls-Royce, en ajoutant un niveau de luxe dément, etc., etc. Mais ils sont allés jusqu'à travailler le moindre petit use case en se disant, ben voilà, supposons, mon utilisateur est assis dans la voiture, le trajet est fini, le rendez-vous est à 10 mètres et il pleut des cordes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience de l'utilisateur à ce moment-là? Eh bien, si on accepte de le travailler vraiment, si on accepte vraiment de se donner la peine et les moyens de travailler ces sujets, on arrive avec ce genre de réponse qui, avouez-le, a un certain panache. Et c'est quelque chose qui est applicable pour une application. C'est quelque chose qui est applicable pour une application mobile. Imaginons par exemple une app bancaire. Une app bancaire, les macro use cases, je dois pouvoir faire des virements, consulter mes comptes, ajouter un bénéficiaire, etc. OK. Mais si on rentre dans les détails, si on rentre dans les micro-use cases, peut-être qu'à un moment, on va arriver à quelque chose comme « je dois rentrer une suite de chiffres ». Je dois rentrer une suite de chiffres. Et à ce moment-là, si on consacre du temps à répondre à ce besoin de l'utilisateur, peut-être qu'au lieu d'avoir une solution comme celle-ci, on aura quelque chose comme ça. Et là, l'effet n'est pas le même. Et là, on n'est pas dans la même application. Et là, il se passe quelque chose de différent. Ce n'est pas quelques secondes dans la vie de l'utilisateur sur laquelle on s'est dit ben, on va utiliser le module générique Apple ou Google, mais on va vraiment travailler ce moment-là. On va vraiment le travailler. Alors, effectivement, tout cela a un coût. On ne va pas se le cacher, tout cela a un coût. Ça a un coût en temps, ça a un coût en argent, ça a un coût humain. Et effectivement, si votre but, c'est d'avoir un projet qui doit sortir dans 3 semaines et on n'a pas le temps, eh ben, on ne peut pas faire ça. Effectivement, si vous voulez juste sortir un MVP, on n'a pas le temps. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dit au sujet de Disneyland. C'est que ce parc n'était pas le premier parc d'attractions au monde. Le premier parc d'attractions est sorti 10 ans auparavant, il s'agit de Knoxberry Farm, et même le premier parc à thème, qui avait pour volonté de vraiment créer un univers, est sorti 6 ans auparavant, il s'agissait de Santaland. Il y a quelques anecdotes rigolotes d'ailleurs, si ça vous intéresse. Disney World n'était pas le premier parc d'attractions au monde, mais c'est le premier à être sorti avec un souci du détail permanent. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui lui a permis d'être la référence des parcs d'attractions. Alors, supposons, baguette magique, on est dans un monde idéal, on a tout le temps qu'il faut, on a tout l'argent qu'il faut, et c'est parti, je veux travailler à fond tous mes use cases, j'ai bien compris, c'est important. OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je veux dire, rentrer une suite de chiffres les modules classiques d'Apple ou de Google, c'est pas ce qu'il y a de plus traumatisant. Comment est-ce que je peux améliorer l'expérience de mon utilisateur? Eh bien, ce que je vous propose, en fait, c'est 6 services à rendre à l'utilisateur. 6 services où, pour chaque fois que vous identifiez un micro-use case, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce que ça ne serait pas l'occasion d'informer, de distraire, d'expliquer, d'attirer, de récompenser ou d'amuser l'utilisateur? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va
passer en revue ensemble ces différents services à l'utilisateur avec un certain nombre d'exemples. Le but, c'est qu'en sortant de cette conférence, vous ayez toute une bibliothèque d'exemples de micro-interactions en comprenant bien à quoi elles servent, en comprenant bien quelle est leur utilité et que la prochaine fois que vous serez confronté à ce genre de sujet, vous puissiez vous dire « Tiens, effectivement, j'ai déjà vu ça et là, ça peut être l'occasion d'améliorer l'expérience utilisateur pour telle ou telle raison en lui rendant tel ou tel service. » Commençons par l'information. L'information, c'est le service peut-être le plus important parce qu'il est basé sur une différence fondamentale entre le monde virtuel et le monde réel. Je m'explique. Dans le monde réel, à chaque fois qu'on effectue une action, on attend une résultante primaire et on attend de manière inconsciente des résultantes secondaires. C'est-à-dire que si j'appuie sur un interrupteur pour allumer la lumière s'allume, c'est ce que j'attendais, résultante primaire. Mais inconsciemment, j'attends aussi de sentir l'interrupteur sous mes doigts. J'attends d'entendre un petit clic. J'attends de sentir le plastique. J'attends de le sentir s'enfoncer avec une petite résistance. Et tout ça, ce sont des composantes secondaires qu'on attend toujours de manière même inconsciente. Si je déplace une chaise, j'attends de la déplacer, mais je veux aussi sentir son volume, son poids, sa texture. Et si vous déplacez une chaise qui n'a ni texture, ni poids, ni volume, ça va vous faire vraiment bizarre. Et donc le principe, c'est qu'on veut reproduire cela dans le monde réel, dans le monde virtuel, pardon. Puisque dans le monde virtuel, même si j'ai fait une action qui est vraiment exceptionnelle, tout ce que je viens de faire, c'est d'appuyer mon doigt sur une vitre. Avouez que quand je viens de faire un virement de X milliers d'euros, c'est un peu frustrant. Et donc les animations vont vraiment avoir pour but d'émuler cela, de simuler cela. Et de la même manière qu'on peut avoir des boutons qui sont plus ou moins de qualité, notamment sur les claviers d'ordinateur, c'est très flagrant, il y en a qui font un bruit horrible, et puis il y a des claviers qui ont un toucher très doux et un bruit très feutré, on peut avoir des boutons qui soient plus ou moins travaillés. Prenons un exemple. On va prendre un exemple facile, le like. Et on va faire encore plus classique, on prend des cœurs. Premier cas, j'appuie, le cœur devient rouge, super, tout le monde a compris, j'ai liké, effectivement. Deuxième cas, en fait, dans mon application, le like est quelque chose de très important. Je veux vraiment faire comprendre à l'utilisateur que quand il like quelque chose, ce n'est pas juste un bit qui passe de 0 à 1. C'est vraiment quelque chose d'important dans l'app. À ce moment-là, on va travailler un peu le sujet, on va travailler un peu le cas, et on aura peut-être un bouton de like que vous connaissez déjà, en fait, qui ressemble à ceci. Ceci, c'est le bouton de like de Twitter. Parce que Twitter veut vous faire comprendre que quand vous likez un message, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de plus important que juste un petit cœur qui se dessine. Vous avez vraiment effectué dans ce monde virtuel une action importante. Voilà la différence. Alors, il ne faut pas oublier que les micro-interactions, comme je l'ai dit, travaillent dans un univers graphique. C'est-à-dire que si jamais vous êtes en train de travailler sur une application de méditation zen, il faut peut-être quand même mieux partir sur celui de droite que sur celui de gauche, pardon, que sur celui de droite. Effectivement, ça sera moins disruptif par rapport à l'utilisation de l'application. Et si on prend d'autres exemples, on a par exemple ce bouton. Un bouton sur lequel j'appuie et j'ai le résultat qui m'est donné en temps réel. Oui, ça marche, ou alors non, ça ne marche pas. En fait, c'est tout simplement l'équivalent du bouton sur lequel on appuie, du bouton lumineux qui s'allume parce que la lumière dans une autre pièce s'est allumée. Voilà, j'ai le résultat de mon action directement avec le bouton. Et encore mieux, celui-ci. Ces classiques boutons alignés à gauche, alignés à droite, alignés au milieu. Grâce à cette animation, en fait, j'ai même pas besoin de regarder mon texte. Je sais exactement ce qui vient de se passer. Je sais où est parti mon texte. Et supposons encore mieux, quelqu'un qui ne connaîtrait pas ces boutons, quelqu'un qui ne les aurait jamais vus, grâce à cette animation, tout simplement en cliquant, va comprendre ce qui vient de se passer, va comprendre ce qui s'est passé quand il a appuyé. Voilà le pouvoir des micro-interactions. Voilà ce qu'elles peuvent faire pour expliquer à l'utilisateur, pour informer l'utilisateur de ce qu'il vient de faire. Mais on peut également distraire l'utilisateur. Alors le distraire pas au sens l'amuser, ça on le verra plus tard, mais le distraire au sens magique du terme. C'est-à-dire que la première chose qu'on apprend à un jeune magicien, c'est la distraction. C'est le abracadabra avec de grands gestes, avec la main droite, pendant que la main gauche discrètement fait le tour de magie. C'est le principe de détourner l'attention de l'utilisateur pour lui cacher quelque chose qui est nécessaire mais qu'on n'a pas forcément envie de lui montrer. Et c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans une application.
C'est quelque chose qui arrive tout le temps. Prenons par exemple le nombre de pages qui ont besoin d'un petit temps de chargement, que ce soit parce qu'on fait appel à un composant graphique un peu lourd, ou parce qu'on a un appel à un serveur, ou une base de données un peu longue à répondre, etc. Une demi-seconde. Oui, mais cette demi-seconde, on peut soit la traiter en se disant bah, on affiche un écran blanc et puis après l'utilisateur se débrouille, ou alors on peut se dire bah, on va faire un peu mieux, on va quand même mettre une loading wheel. Ok, comme ça il sait qu'il faut attendre. Ou alors on s'en sort par le haut et on cache ce temps d'attente à l'utilisateur. On le cache avec ce genre d'animation. J'appuie, petite animation, et la page apparaît. Une demi-seconde. Une demi-seconde, peut-être même pas, mais c'est parfois ce qui fait toute la différence entre ah, un écran blanc et ça apparaît, ou alors j'ai mon animation et la navigation est fluide et je n'ai pas eu d'interruption dans mon utilisation de l'application. Je suis toujours dans un même flux continu, je suis toujours dans une navigation qui est très fluide. Un autre exemple, notamment pour les données, pour les graphiques, c'est celui-ci. C'est d'avoir une petite animation au moment où le graphique apparaît, que ce soit un graphique en camembert ou que ce soit des barres. Très rapide, moins d'une demi-seconde, mais ça permet d'avoir les résultats qui arrivent et d'éviter le « Ah, bah, qu'est-ce qui se passe ? Ça marche, ça ne marche pas ?» On sait que ça marche. Alors en revanche, il faut garder quelque chose en tête, c'est que ces animations doivent rester exceptionnelles. Dans le sens où, si à chaque fois qu'on lance une page, on a ce genre d'animation, très rapidement, l'utilisateur ne va plus les supporter. En revanche, si à chaque fois que vous lancez une page, vous avez une demi-seconde ou une seconde d'attente, la question elle est peut-être plus sur l'architecture de votre app que vraiment sur les micro-interactions. Un autre exemple, c'est le classique Scroll Down to Refresh. Ce use case-là est dans quasiment toutes les apps et tout le monde le connaît. Tout le monde le fait, voilà. Mais justement, si tout le monde le fait, ça veut dire que c'est l'occasion de sortir du lot. Ça veut dire que c'est l'occasion de le faire différemment. Et on le voit très bien dans cet exemple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on voit ce qu'il y a derrière l'app. On voit ce qu'il y a derrière le menu. On voit ce qu'il y a au cœur de l'app. On voit en fait, qu'est-ce qui fait bouger l'app ? Et c'est la question à se poser, qu'est-ce qui fait bouger votre boîte ? Qu'est-ce qui fait bouger votre app ? En quoi vous croyez ? Qu'est-ce qui fait que derrière ça bouge et il y a de la vie ? Ben, ça peut être l'occasion de le montrer. Alors, il y a mille et une manières d'y répondre, mais voilà, le scroll down to refresh, c'est le moment où vous dévoilez à l'utilisateur ce qu'il y a derrière la page qu'il est en train de consulter. On a parfois, aujourd'hui, des applications qui sont un petit peu complexes, parce qu'on a des features qu'ils demandent, c'est comme ça. Ou parce qu'on a décidé de partir sur une interface graphique un peu novatrice, et tant mieux, ça évite d'avoir un énième clone de Airbnb. Mais parfois, il faut expliquer un peu les choses à l'utilisateur. Parfois, il faut le guider, que ce soit dans un process, ou parfois, il faut le guider, que ce soit dans un environnement graphique. C'est notamment très perceptible avec le Material Design de Google. Le Material Design, en fait, c'est une superposition de couches, et la clarté de l'interface réside dans les animations qui existent et qui font que, malgré cette superposition de couches, je sais toujours où est-ce que j'en suis. Un exemple, c'est celui-ci. J'appuie sur le bouton, petite animation, j'ai mes vidéos qui apparaissent et je sais quelle animation va avoir lieu quand je vais appuyer sur la croix. Pourquoi je le sais ? Je le sais parce que j'ai vu l'animation d'entrée. J'ai vu l'animation d'entrée et donc mon cerveau sait quelle sera l'animation de sortie. Parce qu'il y a une certaine logique et donc je reste dans un univers qui soit cohérent. Et c'est encore plus flagrant ici. C'est-à-dire que cet écran-là, l'image, le texte et la petite croix pour le fermer, existent dans 90% des applications, je mise à part. C'est-à-dire, on a une image, on a un texte descriptif, et puis c'est une page qu'on va fermer, donc on met une petite croix. D'accord. Mais faire une app avec des écrans comme ça, en mettant juste des liens sans aucune transition, ce serait exactement comme donner un livre à lire à quelqu'un, en lui donnant une page, t'as fini, une autre, t'as fini, une autre, etc., etc. Alors ça marche, on comprend l'histoire, on a lu le livre, ok. Oui, mais ça manque un peu de matière, ça manque un peu de contexte, ça empêche vraiment de se plonger dans les choses. Et donc, en utilisant les animations, en utilisant ces petites animations, au lieu de lire des pages qui n'ont en fait que très peu de liens entre elles, je suis vraiment en train de me balader dans l'univers de cette pâtisserie, je suis vraiment en train de naviguer dans cet environnement, de naviguer dans cette ambiance graphique grâce aux animations, et je sais toujours où je suis parce que l'animation d'entrée me donne l'animation de sortie. Un autre exemple, c'est d'expliquer un écran précis. C'est-à-dire qu'on peut avoir des écrans sur lesquels, ben voilà, là, je ne sais pas si l'utilisateur va tout de suite comprendre ce qui va se passer. Celui-là, celui-ci.
l'image de la salle de ciné dans laquelle vous allez choisir votre place. En fait, vous n'avez pas eu une demi-seconde de réflexion pour comprendre l'échelle de la salle, le nombre de places, où est placé l'écran, est-ce que tel siège est en face de l'écran ou pas. Pourquoi ? En fait, grâce à cette animation, l'affiche qui devient l'écran. Et qui fait que du coup, si les développeurs ont poussé le vice jusqu'à vraiment faire attention aux détails, vous savez si vous aurez à tourner la tête ou pas. Alors, on aurait pu mettre un petit mot « écran ». Effectivement. Et ça aurait marché aussi. Ça aurait marché, ça aurait demandé un petit peu plus de réflexion. Et encore une fois, est-ce que c'est ce qu'on veut ? Ou est-ce qu'on veut vraiment créer une app qui soit au-dessus du lot, qui sorte du lot ? C'est quelque chose qu'on va voir après, parce que c'est là qu'est l'importance, c'est dans ce choix. Dans le cas des... on va dire, d'un flux, d'un process un peu compliqué. Voilà, alors on est juste sur un concept graphique, mais il y a quelque chose à travailler. Le fait de se dire, bah, au lieu d'avoir des boutons à gauche, à droite, et l'utilisateur qui lutte un peu en se disant bah, où est-ce que je dois cliquer, pourquoi ne pas avoir un bouton ? Un bouton qui donne toutes les actions. Voilà, télécharger, c'est télécharger, ouvrir, c'est le même bouton. Alors il faut faire attention à avoir un bouton qui soit vraiment clair, pour accompagner l'utilisateur et lui expliquer vraiment ce qui va se passer à chaque fois. Mais peut-être que c'est le meilleur moyen. On a toujours le même bouton, l'utilisateur est accompagné de la meilleure des manières. Et enfin, dernier exemple, alors dédicace pour tous les UX et UI designers dans la salle, les filtres. Les filtres, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'enfer dès qu'il y en a beaucoup. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est facile, on arrive à les caser et c'est réglé. S'il y en a beaucoup, c'est génial niveau UX parce que ça permet à l'utilisateur de filtrer très précisément les résultats, mais c'est l'enfer parce que, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les met dans la même page mais du coup on n'a pas beaucoup de place ? Ou alors on voit que les filtres, on les met sur une autre page mais comment on revient à la première ? Voilà. Bah, une solution c'est peut-être celle-là, cette petite animation qui fait que, quelque part, on reste sur la même page, mais on a 80% de la page pour mettre les filtres. Et ça permet d'avoir une carte un peu sympa, et ça permet d'avoir un slider et des boutons, et ça permet d'avoir de l'air pour mettre en place les filtres. Juste parce que cette petite animation fait que je reste sur la même page, mais en gagnant énormément de place. On peut également attirer l'utilisateur. Alors, attirer l'utilisateur, c'est quelque chose de classique, vous l'avez tous X fois sur vos téléphones, en fait, c'est tout simplement les notifications. Je ne vais pas revenir énormément dessus, si ce n'est pour insister sur deux écueils qu'on peut avoir dans les notifications. La première, c'est qu'il faut un principe de proportionnalité entre l'animation de notification et l'importance de l'information qu'on donne à l'utilisateur. C'est-à-dire que si on prend le cas, par exemple, d'une app de messagerie, comme celle-ci, c'est une app dans laquelle je vais souvent recevoir des messages. Et potentiellement, je peux être en train de converser avec trois personnes à la fois. Si dès lors, à chaque fois que je reçois un message, tout l'écran bouge, il y a peut-être un problème. Recevoir un message dans une app de messagerie, ça n'a rien d'exceptionnel. Et donc, au lieu de partir sur quelque chose qui fait bouger tout l'écran et qui fait que dans une conversation avec trois personnes différentes, je ne vais jamais réussir à cliquer sur le bon parce que ça va bouger en permanence, il faut peut-être mieux rester sur une petite puce de notification classique. Mais même celle-ci, on peut la travailler. Même celle-ci, la cloche et la puce, on l'a tous vue. Elle est dans de nombreuses apps. Oui, mais voilà, là, il y a la petite animation qui fait la différence. On l'entend presque. On l'entend presque, et grâce à cette animation, voilà, on a la petite attraction qui fait que, ah oui, je vais regarder, tiens, il vient de se passer quelque chose. Non, je ne les regarde pas tout de suite, mais ce n'est pas grave. En revanche, si effectivement, dans votre app, vous avez besoin à un moment que l'utilisateur fasse une action précise, et il y a 10 secondes, sinon ça ne marche pas, ça vaut peut-être le coup de secouer un peu l'écran pour qu'il se réveille. Une deuxième chose à garder en tête dans les micro-interactions d'attraction, c'est le phénomène de banner blindness. En 1998, deux chercheurs qui travaillaient sur l'eye tracking des internautes ont découvert que, à force d'être exposés à des bannières clignotantes en haut et à droite, les internautes ne les regardaient même plus. Même plus. C'est-à-dire même pas un regard pour se dire « Tiens, au fait, est-ce que c'est intéressant ?» Non, même pas. Ils rentraient dans la page et directement leur regard regardait le contenu. Le cerveau faisait abstraction de ça à force d'avoir été exposé à des animations inutiles. C'est quelque chose qui nous pend tous au nez si justement on met trop d'animations dans tous les sens qui sont inutiles. À ce moment-là, le cerveau risque de dire « ça sert à rien, encore une animation inutile, je me concentre sur quelque chose d'autre ». Aujourd'hui, des chercheurs ont prouvé assez
récemment, il y a quelques années, que les petites animations qu'on a dans les apps, les likes sur les réseaux sociaux, font que notre cerveau ordonne à notre corps de sécréter de la dopamine. La dopamine, en fait, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la récompense. C'est ce qui fait que voilà, je vais courir une heure parce que c'était nécessaire. Pourquoi est-ce que je me sens bien à la fin? C'est entre autres parce que mon corps sécrète de la dopamine pour me remercier. Bravo, c'est bien fait. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être soulagé d'un poids alors que je viens de faire ma déclaration d'impôt qui traînait sur la table basse depuis 3 semaines et qui me prenait la tête? C'est parce qu'une fois que je l'ai fini, mon corps me dit « tu as fait quelque chose de bien, je te récompense ». Et aujourd'hui, on sait que les petits likes, les petits checks font exactement le même effet pour l'homme. Ça explique beaucoup de choses sur les phénomènes d'addiction aux réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est très utilisé dans les séances de toxicologie pour les réseaux, appliquées aux réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser à notre avantage. C'est-à-dire, supposons voilà, un formulaire un peu long parce que le process l'oblige et parce que, oui, il faut garder un formulaire court et simple, mais on n'a pas toujours le choix. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas utiliser ce genre de petites solutions? Alors, je suis désolé, la résolution n'est pas assez forte, mais à chaque fois que vous rentrez que vous remplissez un champ, vous avez un petit check qui apparaît à gauche. Et en fait, toute la différence est là. Imaginons un formulaire de 15 champs à remplir, sans rien. Très vite, c'est rébarbatif. Mais si à chaque champ, j'ai une petite animation qui me dit « vas-y, c'est bien, allez, continue, allez, encore un, on y est presque, allez, on avance », l'expérience est tout autre. L'expérience est tout autre et ça accompagne l'utilisateur en le récompensant durant tout le process. Mais on peut également amuser l'utilisateur. Alors cette fois, l'amuser au sens vraiment amuser. Pourquoi? Je sais que pour de nombreuses apps, le but premier n'est pas d'amuser. On est d'accord. Mais ça serait oublier quelque chose. Ça serait oublier une chose importante, c'est que l'homme avec un grand H retient mieux, apprend mieux et plus docile dans un environnement agréable et amusant que dans un environnement contraignant. Le meilleur exemple, c'est vos enfants. Regardez vos enfants. Ils sont capables de réciter tous les Pokémon, ils connaissent des scènes de films par cœur, ils connaissent des sketchs humoristes par cœur, mais ils sont incapables de retenir une table de multiplication. Et je le sais, ça a été mon cas. Donc voilà, on peut vraiment mettre en place ce moment amusant, ou ce moment tout du moins agréable. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'utilisateur vous donne du temps, vous donne de son temps. Et à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Est-ce que quand l'utilisateur arrive dans votre app, vous voulez l'accueillir avec un grand sourire et une chaleureuse poignée de main, ou est-ce que vous voulez juste lui dire, bah voilà, c'est par là si jamais vous voulez être servi? C'est une question à se poser. Un bon exemple, c'est notamment les login screens. Le login screen, si vous en avez un qui s'affiche, c'est que votre mot de passe n'a pas été sauvegardé, vous allez potentiellement devoir rechercher le mot de passe, ou alors on vous demande un mot de passe X ou Y avec un Z, une apostrophe, etc. Ce n'est pas le meilleur moment qu'on passe. Avec cet exemple, qui a pas mal tourné il y a quelques mois, tout de suite, ça devient plus sympa. Le Yeti qui suit des yeux et qui se masque les yeux au moment du mot de passe. Et voilà, là, j'arrive dans l'app et j'ai déjà un peu le sourire. Et je suis déjà en confiance et je suis déjà, on va dire, de meilleure humeur et plus disposé à pardonner une petite erreur, une petite imperfection de l'appli. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important de se dire que oui, le but, c'est que l'utilisateur apprécie votre app. Apprécie votre app et soit prêt à vous pardonner vos petites erreurs. Et enfin, le dernier exemple, que certains pourront considérer comme inutile, mais qu'il n'est pas et qui est presque le plus beau, l'easter egg. L'easter egg, qui traduit littéralement par œuf de Pâques, c'est un petit quelque chose que le développeur cache dans l'app pour ceux qui arriveraient à le trouver. On est d'accord, c'est inutile, et tout le monde ne le trouvera pas. Typiquement là, pourquoi est-ce qu'on scrollerait le menu à fond pour aller voir ce qu'il y a en dessous? J'en ai aucune idée. Et c'est même pas le sujet, en fait. C'est même pas le sujet. Mais le sujet, c'est que là, tout de suite, il se passe quelque chose de différent. Il se passe quelque chose de différent parce que votre app, que vous le vouliez ou non, et quel que soit l'argent que vous dépensez dedans, son utilisation est toujours, au mieux, distante, et au pire, impersonnelle. C'est exactement comme ce talk, en fait. Que vous soyez en train de vous ennuyer ferme ou que vous appréciez ce que je suis en train de vous dire, il y a une distance. Il y a une distance parce que je suis sur scène et vous êtes dans la salle. Mais supposons, est-ce que quelqu'un veut venir sur scène? Une personne pour venir? C'est une vraie question. Ça tente quelqu'un?
Par exemple. Sinon, on peut passer par derrière. Nickel. Tu t'appelles ? Guillaume. Guillaume, ravi. Alors, vas-y, Guillaume. On va s'installer là. Et on va continuer le talk comme ça. En fait, je vais m'adresser à Guillaume. Je vais m'adresser à Guillaume qui, en fait, du coup, est en train de vivre une expérience un peu gênante. Je suis désolé. Mais aussi en train d'avoir une expérience radicalement différente de ce talk. Tu es vraiment rentré dedans. Et là, il y a une... comment dire ? Une interaction humaine qui se crée. Si on se recroise dans les travées, on se reconnaîtra. Il y aura quelque chose qui se sera créé. Eh bien, les easter eggs, c'est exactement la même chose. Alors, tu peux rester si tu veux. Les easter eggs, c'est exactement la même chose. En fait, c'est un clin d'œil que fait le développeur à l'utilisateur. C'est vraiment ce clin d'œil qui fait que derrière mon appli, maintenant, en fait, il y a quelqu'un. Je ne suis plus juste en train d'utiliser une appli, mais je suis vraiment en train d'avoir un lien avec la personne qui est derrière. Et c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche, parce que ces micro-interactions, informer, distraire, expliquer, attirer, récompenser ou amuser, quel but elles ont au final ? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Pourquoi ? Pour faire la meilleure application possible ? Ouais, ok, super. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on va faire la meilleure application possible ? En fait, pour une raison toute simple, parce que votre app, elle doit monter cette pyramide, dont je suis vraiment désolé, elle est illisible. Je l'ai découvert ce matin. En fait, je vais vous expliquer. Le principe, c'est la pyramide de Maslow des applications, qui a été théorisée par Daniel Roston, qui est product designer chez Google. Le principe, c'est qu'une app peut être fonctionnelle. Elle peut être fonctionnelle, elle peut être également fiable, mais pour ça, elle doit être fonctionnelle. Elle peut être utile, mais pour ça, elle doit être fiable et fonctionnelle, etc. Et le but, c'est de dépasser une ligne là, qu'on ne voit pas du tout, et qui fait qu'on passe de l'utile à l'agréable. Le but, c'est que votre appli ne soit plus juste là pour rendre un service à l'utilisateur, mais qu'il se mette à l'aimer, qu'il se mette à l'apprécier. Parce que, ok, aujourd'hui, peut-être que votre service est unique. Aujourd'hui, peut-être que ce que vous proposez est complètement novateur. Mais demain, mais dans 6 mois, mais dans 1 an, tout le monde sait qu'il y aura 2, 5, 10 clones. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera ? Et à ce moment-là, est-ce que l'utilisateur va se dire « bah ouais, ça me rend un service, mais il y en a une autre qui rend le même service et qui a des couleurs que je préfère, donc je vais aller voir. » Ou est-ce qu'au contraire, il va se dire « oui, c'est le même service, mais moi, je l'aime bien, mon app, en fait. Moi, je l'aime bien. Donc, je vais rester avec elle. » Et il y a une personne qui a réussi ça mieux que quiconque. Steve Jobs. Steve Jobs, qui, avec l'iPhone, a réussi à créer un produit qui est apprécié par des millions de personnes au-delà de ses qualités réelles. Je ne dis pas que l'iPhone n'a pas de qualité. Il a de nombreuses qualités, on est d'accord. Mais il y a des millions de personnes qui l'aiment au-delà de ses qualités, qui l'aiment plus, qui ne l'aiment pas pour ses qualités. Et pour eux, la question n'est pas de savoir si, ok, le nouvel iPhone est sorti, mais alors qu'est-ce qu'il a de plus ? Est-ce qu'il a des fonctionnalités en plus ? Est-ce qu'il se démarque par rapport à la concurrence ? Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que moi, j'aime bien iPhone, et que donc, si je peux me le permettre, je vais l'acheter. On est typiquement dans le cas d'un produit qui est apprécié au-delà de ses qualités. Et pourquoi ? Pourquoi ? L'iPhone n'est pas le premier smartphone à être sorti. Il y en avait une petite dizaine avant. Oui, mais c'est le premier à être sorti avec une mentalité très particulière. La citation que je vais vous donner, on la prête à Steve Jobs durant le développement de l'iPhone premier du nom, qui était parfois un peu chaotique. Et il n'avait de cesse à répéter à ses équipes, les détails comptent, il vaut mieux attendre de les maîtriser. Oui, les détails comptent, il vaut mieux attendre de les maîtriser. Parce que c'est là qu'est toute la différence. C'est là qu'est la différence entre les 10 smartphones qui sont sortis avant et l'iPhone qui est devenu le smartphone, de même que Disneyland est devenu le parc, parce que cette attention aux détails fait qu'on est passé dans un autre univers, on est passé dans l'univers où on apprécie le produit au lieu juste d'avoir un service. Et c'est là qu'est toute la différence. Aujourd'hui, de nombreux fabricants de smartphones qui avaient fait des smartphones avant Apple regrettent cela. Regrette leur choix de s'être dit vite, vite, il faut être les premiers, on sort un smartphone. Voilà. Mais sans le travailler. Sans travailler les moindres détails, sans travailler l'interface jusqu'à atteindre une réelle fluidité. Aujourd'hui, ils regrettent de ne pas avoir fait ce choix. Parce que oui, les détails comptent, il vaut mieux attendre de les maîtriser. Voilà ce qu'il en coûte pour marquer l'histoire. Voilà ce qu'il en coûte pour être la référence. Il n'y a pas de magie, tout est dans les détails. Merci beaucoup.